Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto où je vais vous montrer comment faire une coupe 3D ainsi qu'avec la cotation. Alors, sans plus tarder, on se retrouve dans le logiciel Archicad. Nous allons utiliser ce projet. Alors, on va déplacer une coupe de telle sorte que nous allons voir la coupe sur l'escalier. On va placer la coupe ici. Ok. On va faire un clic droit et ouvrir avec les réglages actuels. Voilà notre coupe. Nous allons également aller en 3D. Vous allez activer cette icône de coupe 3D. Puis vous allez cliquer là. Puis vous allez tirer. On va. On va s'arrêter ici. Terminé. Ok. Ça, c'est notre coupe. Puis vous allez dans le navigateur, vous allez dans 3D, clic droit sur 3D, puis point de vue. Dans point de vue, vous allez cocher cette case et puis vous allez valider. Vous revenez toujours au navigateur. Puis dans document 3D, vous faites un clic droit et nouveau document 3D à partir du 3D. On va mettre un nom comme tuto 3D. Puis on va créer tuto 3D. Ok, voici tuto 3D que nous avons en face de nous. Et vous ne pouvez pas orbiter comme dans la 3D. Vous pouvez orbiter dans la 3D. Ici, vous ne pouvez pas orbiter. Vous pouvez juste zoomer et dézoomer. Alors, nous allons faire une cotation. Vous venez sur cotation, on va coter ça et ça et là, 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 là. Ici. Puis clic droit, ok. On va mettre ça de quel côté? De ce côté. Okay. On va paramétrer ces cotations. Vous cliquez sur cotation, puis contrôle A. Et vous revenez. On va prendre les flèches, la taille du test, on va mettre 1,50. On va prendre le test au-dessus. On va prendre quel style de texte, taille New Romance. On va mettre le test en gras italique et on va changer la couleur du test en rouge. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? La ligne de côte, on va également la mettre en rouge, la flèche en rouge, et nous allons prendre ce style de côte.
c'est bon. On fait échappe. Échappe. On va reculer légèrement la ligne gauche. Cliquez sur la ligne, puis vous reculez. Vous pouvez déplacer directement de ce côté si vous voulez. Ok, là c'est bon. On va également, vous pouvez faire toutes les cotations que vous voulez. On va faire pour les escaliers ici, ici. Clic 3 pour valider. OK. C'est ainsi qu'on peut faire ce genre de coupe si ça vous intéresse. Merci d'avoir suivi la vidéo et à très bientôt.